Hello les psychopathes du Stig, ici c'est le Faucheur de Pixels, bienvenue pour ce nouvel épisode consacré à Mass Effect Andromeda. Avant de continuer l'aventure, je vais peut-être échanger d'armes parce que je suis pas très content de mon arme d'assaut. Je vais certainement développer une autre. Brassard de pionnier, bah c'est pas. Ah oui, c'est dans les armes, armes de corps à corps, fusil de précision. Bon, on va voir ce que je peux développer. On va aller voir dans la recherche. Armes. Alors, fusil cyclone, mitraillette, fusil de combat, fusil d'assaut Valkyrie. Ah, je l'ai déjà celui-là. Pas mal de dégâts, mais la cadence de tir, j'aime pas trop. On va essayer celle-là, tiens. Ouais. On va développer le niveau 1, le 2. Est-ce que j'ai assez pour le 3? Magnifique, oui. Voilà. En développement. Fusil d'assaut cyclone 3. J'ai les ingrédients pour pouvoir le faire. Magnifique. On va le fabriquer. Nickel. Tiens, est-ce que je peux, est-ce qu'il faut pour l'équiper ici? Un alien capable d'utiliser les reliquats et l'instant d'après, je me retrouve. C'est quoi ça? J'ai fait une découverte incroyable sur le terrain la semaine dernière. Une navette datant d'avant le fléau est émergée dans le ravin. Le site du crash m'a eu l'air remarquablement bien préservé. En particulier si on considère l'environnement capricieux d'Avarl. Je sais que Kiran m'a affecté à l'étude du monolithe, mais je pourrais tout de même essayer de descendre et voir ça de plus près, et peut-être trouver quelque chose pour Avella. Ok. Tiens, une quête ici. J'ai entendu dire que vous étiez ici. Vous avez sauvé l'équipe de Kiran Dals. Je m'appelle Ryder. Je suis avec l'initiative Andromède. Il paraît que vous voulez nous aider. Je me demande jusqu'où vous êtes prêt à aller. Ouais. Je ferai tout ce qu'il faudra pour gagner votre confiance. C'est rassurant, disons. En supposant que vos intentions sont bonnes. Je m'appelle Rachel Vier. Je suis archéo-astronome. J'étudie nos archives culturelles de phénomènes stellaires. Je reconstitue les connaissances perdues des époques passées. Mon but est de découvrir des colonies dont on a perdu le contact. Des alliés potentiels contre les Kertes. Vous pensez qu'il existe des planètes Angara que vous ne connaissez pas? C'est ce que j'essayais de savoir quand c'est arrivé. Je n'étais pas là quand la catastrophe a frappé. J'ai cru que ma maison avait été détruite, avec toutes mes recherches. Mais je viens d'apprendre qu'une partie du bâtiment est intacte. J'essaie de récupérer les données de mes recherches, mais les animaux sauvages ne me laissent pas approcher. Bien sûr. Votre travail est trop important pour qu'on l'abandonne. On va le récupérer. Je vais vous indiquer où se trouve ma maison. Récupérez simplement les données de recherche dans l'ordinateur. Je resterai en contact avec vous par transmission. Merci pour votre aide. Voilà, nickel. On va la suivre, cette quête. Par contre, est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit où je pourrais changer et essayer mon nouveau fusil? Ou alors, est-ce que je suis obligé de retourner à l'initiative pour ça? On va aller là-bas en même temps. On va aller voir jusque là. Il est pas loin. Ouais, on va aller voir jusque là. Allons-y. Go Rider, go. Bon, je veux pas quitter la planète, je vais juste monter dedans. Hein. Départ d'Avarl. La passerelle est à vous, pionnier. Ouais,
Allez, allez. Jaal Dikefra attend votre appel, pionnier. Pionnier, vous avez reçu un nouvel email. On va aller changer notre stuff. Un nouvel email vous attend sur votre terminal, pionnier. Une fois de plus. Oh oh, vous allez prendre cher. J'avais une bonne raison. C'est-à-dire ? Bon, faut que je m'y retrouve un moment dans ce truc. Vous avez appris la nouvelle ? Des réfugiés Asari ont débarqué à l'avant-poste d'Eos. Seulement quelques-unes, mais c'est déjà ça. Bradley dit qu'il y a un officier qui gère les opérations. Idaria. Elle sait peut-être où est l'Arche. On n'a plus qu'à aller à sa rencontre sur Eos. Bonne idée. Retourner sur Eos, d'après la rumeur, Sarissa Terris était sur l'Arche Asari. C'est exactement celle qu'il nous faut. Qui ça ? Probablement la meilleure stratège et guerrière d'élite de l'univers. Ses boucliers biotiques ont sauvé des centaines de vies à la bataille de Kerkis. Apparemment, Sarissa est maintenant la garde du corps de la pionnière Asari. Elle a sûrement déjà un plan pour nous sortir de ce micmac. On va pas cracher sur ce genre d'expérience. Raison de plus pour retrouver l'Arche. Faites-moi signe quand vous serez prêt à aller trouver Idaria à Prodromos. Je vous accompagnerai bien. Ok. Combien de temps il faut pour apprendre à piloter ? Ça dépend. Non, c'est pas par ici. Avec un esprit comme le vôtre, allez, allez. En quelques semaines, vous seriez une experte. On descend. Je crois que c'est par ici, on peut changer le... Non... Terminer le messagerie, bon, on va aller voir ce qu'il y a. Apparemment j'ai un nouveau message. Prise de contact. Régime équilibré. Communication de Jaal. Okay. Et écrit de Tarissa Terris. De Sarissa Terris, pardon. Ok. Rien de spécial à ce niveau-là. Donc ici, c'est pour changer les tenues. Allez. Voilà. On ne sait rien. Là, c'est une espèce de... Ah, voilà, c'est ici. Je pense qu'on peut changer les armes. De vous à moi, vous pensez qu'on a des chances ? Des chances de quoi ? De survivre. Ça va aller. D'accord. Merci. Je ne sais plus c'est où. Peut-être qu'on le voit directement sur la map. Tiens, c'est quoi ce truc ? Ah non, c'est pas pour réinitialiser les compétences. D'accord, super. Bon à savoir ça. Peut-être ici alors. Il y a qui en haut là-bas ? Toutes les deux des... Pouvoir biotique. C'est comme ça qu'on dit ? Ouais, mais la biotique Asari a quelques centaines de millénaires d'avance. Les humains les rattrapent. Ceux de la Voie lactée peut-être, mais vous, vous avez séché les cours pendant 600 ans. C'est pas ici. Oh bon sang, j'aime pas chercher pendant 4 heures après un truc, ça me saoule. Bon, c'est quoi ça ici ? Quoi ? Ouais, c'est les personnages. Infirmerie. Cuisine, quartier du pionnier, terminal de messagerie, garde-robe, Sam, musique, armurerie. Bah, j'y suis dans l'armurerie. Si c'est pas dans l'armurerie qu'on change d'arme, c'est où ? Bah écoutez, on va retourner sur la planète, hein. On va pas perdre de temps à chercher. Je me renseignerai mieux la prochaine fois avant de chercher pendant 3 heures. Allez, on remonte. On remonte. Voilà. Et on y va. Et on se repose.
Bah ben voilà, je vais pouvoir changer. Fusil d'assaut, on va prendre le Cyclone 3. Et qu'est-ce qu'on va lui mettre? Ça c'était encore quoi ça? Capacité du chargeur, nickel. Et qu'est-ce qu'on va lui mettre d'autre? Une lunette peut-être pas. Ça c'était quoi? Stabilité. Ouais, on va lui mettre ça. Voilà, confirmé, nickel. Entrée dans l'atmosphère, zone d'atterrissage en vue. Allez, pose-toi, pose-toi. Ok. Bon. C'est par où? Par là-bas. Regarde, c'est des trucs à scanner. J'espère que c'est pas très très loin. Vu qu'on n'a pas le nomade. Oh, joli l'arme, j'aime bien. On les a tous eu. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, il y a des choses là-bas. De la platine, cool. Il y a du nickel aussi. Allez, on prend, on prend, on prend. Et voilà. Là, qu'est-ce qu'il y a ici? Les voilà qui, où ça? Oh la vache. C'est bon. On les a eus. Alors, fibre d'écaille, on prend. On va recharger son flingue. Oh, attention ici. Allez, on les défonce. Tiens, prends ça toi. C'est bon, je pense. Allez, on va se reprendre des munitions ici. Voilà. Il y a des choses à scanner. Pas l'impression. Pionnier, le système de l'ordinateur semble endommagé. Voyons si on peut récupérer quelque chose. Ah, une cache ici. Tout prendre. Magnésium, silicium, titane. Magnifique. Pionnier, le noyau de données de l'ordinateur est irréparable. Rachel, ici Ryder. On est dans votre ancienne maison, mais vos données de recherche n'ont pas survécu. Vous avez fait tous ces efforts et pris tous ces risques pour rien. Je suis désolée. Je ne peux pas imaginer ce que vous ressentez. Je n'aurais pas dû me bercer d'illusions. Vous n'aviez pas de sauvegarde? Bien sûr que si. Mais elles ont disparu avec le centre mémoriel du réseau de la ville. Ce site est enterré maintenant. Même si vous réussissez à trouver un point d'accès à la surface,
Les chances de récupérer quoi que ce soit sont très minces. Tout ce que j'ai entendu, c'est qu'on a une chance. Alors on y va. Je n'ai pas bien compris la traduction, mais je sais reconnaître l'optimisme quand je l'entends. Je peux vous indiquer la direction générale du centre mémoriel du réseau. Vous devrez chercher un nœud de réseau exposé. Je reste avec vous. Merci, pionnier. Ok. Donc on nous envoie autre part. On y va. Go, go, go. Ah, il y a quelque chose ici. Il y a du nickel. Voilà. Autant prendre toutes les ressources possibles. On va encore ici, mais dis donc. Pour le craft, c'est sympa. Il tire sur qui là ? Ah bah dis donc, encore du nickel. Pionnier, j'ai détecté des signaux d'énergie qui correspondent à un nœud de réseau actif. Est-ce qu'il est à la surface? C'est ce qu'on va voir. Allons-y, allons-y, allons jeter un coup d'œil. En tout cas ici, il y a un truc qui s'enfonce dans le sol. Le scanner me permettrait d'analyser cela, pionnier. Ah mais il est là l'ordinateur. Ah non, c'est un conteneur ça. Ok. Ah bah là l'ordinateur. Connexion au réseau établi. Je me connecte. Recherche en cours. Je les ai trouvés. Je télécharge les dossiers de recherche. Et voilà. Vous avez réussi. Dire que vous étiez prête à abandonner. Je me laisserai jamais plus manipuler par les statistiques. Maintenant qu'on a ces données, on va peut-être pouvoir récupérer tout ce qui a été perdu dans ce désastre. Je vais prévenir mes collègues. C'est un véritable exploit, pionnier. Ok, level up en plus, magnifique. Bon, on va regarder un petit peu ce qu'il y a sur la map ici. Là, il y a un déclencheur de souvenirs. Bah écoutez, on va y aller. Hein. Allons-y. Ah, bon, on va aller aussi récupérer des munitions. Il y en a un là-bas. Attention. On l'a eu. Oh la vache. Putain, reste pas là. Oh merde. Putain, j'ai vraiment pas eu le temps d'aller me planquer. Carte. Voilà, on va d'abord aller récupérer. Voilà. C'est bon, santé et munitions, nickel. Tiens, j'ai pas pris ici. Ah non, bah encore du titane, ça c'est bien ça. Il y a un, pas loin ici, il y a un souvenir, on va y aller. C'est au-dessus. Attention.
Oh la vache. Wow. Ah, y a des pirates là-bas. Toi, ils s'attaquent aux animaux, allons-y. 800. Allez. Ah, il est là, lui. Voilà. C'est bon. Allez, on prend les objets. Rien à scanner ici. Cristal de méditation Angara. Un conteneur. Ça. Oh la vache. Putain, mais il y a plein de babous ici. Oh la vache. Allez, monte ta tête, toi. Ici. Du matériau explosif. Radiateur solaire. Allez, on monte. Oh la vache. Putain, c'est la blinde, ils sont là, ils sont en masse là. Allez, allez. Putain. Faut que je fasse gaffe, pas crever. Voilà. J'ai quasi plus de munitions. Allez. Thank you.
Un conteneur encore. C'est bon, je crois qu'on l'a eu. Allons-y, allons-y. Mes capteurs détectent un minéral non répertorié dans ma base de données pionnier. On peut le scanner pour Lucan ? Ces informations amélioreraient champignons bioluminescents. Ah, si, si. Voilà, échantillon d'éléments zéro. Ok. Ah oui, ici on doit aller. Donc je vais me TP directement là. On va récupérer des munitions. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va ici. Ça, c'est le tempête. Déclencheur de souvenirs. Ok, c'est par là. Attention, attention. Oh, il y a une pirate en plus. Allez, allez. Putain, je vise vraiment mal. Bon, bon, bon. Merde, merde, merde. Je fais n'importe quoi. Bon. J'ai récupéré ici. Alors, on va recharger déjà. Voilà. Le jour de la carte, on va activer ça. Allons-y. Est-ce que c'est bien? Là, le bon endroit. Non. C'est là-bas qu'il faut aller. Bon, bon, bon. Ah bah voilà, ils sont là-bas. Toi, tu prends ça de ta gueule déjà. Hop. Allez. En moins. Allez, allez. Tu recharges, mon gars. Où ils sont, où ils sont? Ouais, je crois qu'on l'a eu, celui-là. Allez, recharge. Voilà. Oula. Il est où celui qui me tire dessus? Où es-tu? Ah, là. Et voilà.
Haha. On l'a eu, les gars. On l'a eu. Bon, faut vraiment que je gère un petit peu mieux les combats quand même. Parce que là, c'est pas folichon. Faut l'avouer. Ah, un monolithe. Le souvenir, il est où? Ah, je dois peut-être faire le tour. Je dois peut-être faire le tour du monolithe. Oh la vache. Allez, allez. Crève. Bon, on les a eus. Ah bah elle est hostile hein, cette planète hein. Ah bah là il y a encore des babos, des pirates. C'est par ici qu'on devait aller pour récupérer le souvenir. Voilà, on s'y rapproche. Ah, il y a des munitions là-bas, ouf. Oh putain. Attention, des roïcars et... des turiens. Ce sont des uniformes d'une latonose pionnière. L'arche turienne. Oh la vache! Ils tapent fort, hein, les enculés. Allez, vite, vite, vite. Une petite grenade. Oh la vache! Oh, oh, oh. Oui, peut-être temps que je change d'armure, moi. Hein, parce que j'ai l'impression que je suis très léger, quoi. Allez, allez, hop. Allez, allez, on fait attention. Putain, il y en a derrière. Ils sont où? Ils sont où, les gars? Montrez-vous. Je suis mort. Putain, comme je prends cher. Ah purée, je pensais pas que j'allais prendre cher à ce point-là. Attention ici. Allez, saute. Joli travail. Ok.
Alors. Bon, on avance. On va se faire le groupe là, puis on va arrêter, hein, clairement. Allez. Hop. On va pas dire, mais je pense la faune n'est pas super accueillante, hein. Allez, vite, on va récupérer de la vie ici. Et on retourne se planquer. Les Rolicars attaquent. Une minute. N'es-tu rien ? Ce sont des uniformes d'une Latonos pionnier. L'arche turienne. Allez, hop. Une petite bombe. Voilà. Un en moins. Aussi. Toi, boum. Attention ici au sniper. Allez, monte ta tête. Voilà, allez, on charge et on l'achève. Monte ta tête, passe ta tête, boum, voilà. Allez. D'autres se joignent à la fête. Putain. Où ça? Ouais, vite, on va recharger en vitesse. Allez, attention. Allez, petite bombe. Oh la vache. Allez. C'est bon. Ouais, je crois bien. Ouh. C'était sport, hein. Munitions, de la vie. Nickel, je suis déjà full. Bon, ici, il y a sûrement des trucs à scanner, hein. Ça, on va regarder après le datapad. C'est quoi ça? Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Nouvelle entrée. Il y a quelque chose qui cloche sur cette planète. Les plantes surgissent de nulle part. Les arbres murmurent. Et je suis sûr qu'il y a autre chose que ces aliens qui nous observent. Heureusement qu'on a le spectre. Si on survit, c'est grâce à Vitus. Fin d'enregistrement. Allons-y ici, au souvenir.
Un autre déclencheur de souvenirs ? Vous avez désormais accès à l'un des souvenirs de votre père. Retournez au bloc SAM sur l'Hyperion pour poursuivre vos recherches. D'accord. Alors, chef Turien, qu'est-ce qu'il nous veut, lui ? Tire dans les tripes. Douleur. Merci pour le coup de main. Je m'appelle Avitus Rix. Désolé si mes méthodes vous semblent extrêmes. La vie civile est éprouvante. Ryder, pionnier humain. Vous étiez militaire ? Spectre. Affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. J'ai fait le sale boulot du Conseil pendant 15 ans. Leur sale boulot ? Comme la lessive ? Plutôt comme les assassinats secrets et l'espionnage. L'initiative, c'était mon projet pour la retraite. Et puis le Natonos a touché le fléau, et moi, je me suis réveillé ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est l'Arche ? Aucune idée. J'ai dû m'extraire de mon propre module de stase. Une chute pareille, ça aurait dû vous tuer. Ces modules sont étonnamment résistants. La majeure partie de la population turienne est encore portée disparue. Y compris Massen, notre pionnier. Sam ne s'est pas transféré à moi. C'est donc qu'il est vivant. Reste à savoir où. Il n'est pas arrivé au Nexus. Tel que je connais Massen, il doit être en train de me chercher. Massen a consacré toute sa vie à Andromède. Il est trop têtu pour mourir maintenant. On a besoin de tous les pionniers possibles. Des débris et des modules de stase du Natonos sont éparpillés dans tout le secteur. À nous deux, on devrait bien trouver quelque chose. Prenez à gauche et moi à droite. Quelque chose comme ça. Voilà ma fréquence. Appelez-moi si vous trouvez quelque chose. Ok. Au niveau de... Écoutez, ici, je crois que j'ai été partout. Ah non, il y a une quête encore ici, tiens. Mais j'y suis. On a eu la chance d'avoir un ancien spectre pour veiller sur nous. Alors le conteneur. Alors, c'est un datapad. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Je n'arrive pas à le croire. Une quête. Je pensais qu'on resterait coincé ici pour toujours, ou jusqu'à ce que les aliens nous tuent. On a construit ce camp avec ce qu'il restait de notre module de stase. Si on part, on ne peut pas abandonner nos débris. Il y en a qu'on n'a pas réussi à atteindre. Il faut les récupérer. On va tout récupérer. Ce qui vient de l'accident appartient à l'initiative. On l'enverra sur le Nexus avec vous. Bien. Il y a peut-être du matériel intact. Il ne faudrait pas que des aliens ennemis s'en servent contre nous. Si vous trouvez quoi que ce soit qui vient de l'Arche Natonos, marquez-le pour qu'on le récupère. Oh, et merci. Ok. Mais écoutez, je crois qu'on va retourner... Ouais, on va retourner sur le notre vaisseau. Hein. Je crois qu'on va faire ça et aller sur Eos. Ah ouais, ok. Ça, c'est les débris, c'est la quête. Bon, on va le faire, hein. Je pense. Je regarde juste. Quand tu rien, donc c'est par ici, il doit y avoir plein de débris ici. Bah écoutez, non, pourtant. Oh, je suis ici, ok. D'accord. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez laisser un petit commentaire, un petit like et vous abonner si vous avez l'envie, bien sûr. Et n'oubliez pas les psychopathes, hein, acheter des jeux, jouer
un maximum. Éclatez-vous. À bientôt à toutes et tous. Salut!